Dans cette vidéo, on va s'intéresser au maintien du karyotype d'une espèce de génération en génération. Le karyotype, c'est le nombre de chromosomes d'une cellule. Et il est caractéristique de l'espèce, puisque dans une espèce, tous les individus de l'espèce ont le même nombre de chromosomes dans leur cellule, ont le même karyotype. Pour expliquer le maintien du karyotype de génération en génération, on va s'intéresser ici au cycle de vie de l'espèce humaine. L'espèce humaine est caractérisée par un karyotype qui contient 46 chromosomes. Dans les cellules somatiques d'un homme ou d'une femme, on a des paires de chromosomes, on a 46 chromosomes, 23 paires, une paire de chromosome 1, une paire de chromosome 2, etc. jusqu'à la paire de chromosomes sexuels qui correspond à la 23e paire. On note N, le nombre de types de chromosomes différents qu'on a dans une cellule. Comme il y a 23 types différents de chromosomes, pour les hommes et les femmes, N est égal à 23. Et comme pour chaque type de chromosome, on a une paire, le nombre de chromosomes d'une cellule humaine est égal à 2N, 2 fois 23, puisque chaque type de chromosome a sa paire, on a des chromosomes homologues, le chromosome 1 et le deuxième chromosome 1 forment une paire, ils sont homologues, et comme chaque type de chromosome forme une paire, on a 2 fois N chromosomes, soit 46 chromosomes. Le fait que chaque cellule contienne des chromosomes qui forment des paires, on parle de cellules diploïdes. Donc dès qu'on marquera 2N pour qualifier le nombre de chromosomes qu'on a d'une cellule, il s'agira de cellules diploïdes. Et l'espèce humaine est constituée de cellules diploïdes. Pour expliquer le maintien du karyotype de génération en génération, il va falloir comprendre comment expliquer que l'enfant issu de la reproduction ait également 46 chromosomes. Comment ça se fait que lui aussi a 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 2, 2 chromosomes 3. Pour expliquer cela, il faut expliquer deux phénomènes, la méiose d'une part et la fécondation d'autre part. Donc, l'homme produit au niveau de ses gonades, les testicules, des spermatozoïdes. Le processus qui permet de fabriquer les spermatozoïdes se nomme la méiose. Et on note qu'un spermatozoïde contient également tous les types de chromosomes qui étaient présents dans les cellules somatiques de l'homme. Il a un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 3, il a les 23 types de chromosomes, sauf que pour chaque type, il a les chromosomes qu'en un seul exemplaire. Il n'y a pas de paire, il n'y a pas de chromosome homologue. Le 1 est seul, le 2 est seul, le 3 est seul. Ici, il y a donc 23 types de chromosomes dans un spermatozoïde, donc N est égal à 23, et le nombre de chromosomes est égal à N, puisque chaque type a un chromosome qu'en un seul exemplaire. On dit qu'une cellule est haploïde lorsque les chromosomes ne forment pas de paire. Pour la femme, c'est la même chose, puisque dans les ovaires, que sont les gonades de la femme, se déroule le processus de méiose, qui permet de produire des ovules, et dans les ovules, le karyotype d'un ovule, c'est des chromosomes qui sont également à chaque fois en un seul exemplaire. Il y a également les 23 types de chromosomes, un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 3, jusqu'au chromosome 23, le chromosome sexuel, mais chaque chromosome n'est qu'en un exemplaire. Comme il y a 23 types de chromosomes pour l'ovule aussi, N égale 23, mais N représente également le nombre de chromosomes de l'ovule, puisque comme chaque chromosome est en un seul exemplaire, on a bien une fois N chromosomes dans l'ovule. Donc ce que l'on voit ici, c'est que la méiose, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, permet de produire à partir de cellules diploïdes des cellules haploïdes, où les chromosomes se retrouvent en unique exemplaire, il n'y a plus de paires, mais le nombre de types de chromosomes est conservé. Il y a bien 23 types, mais il n'y a plus les paires, que ce soit pour l'ovule ou le spermatozoïde. Lors de la fécondation, un spermatozoïde et un ovule vont fusionner. Il va y avoir union des gamètes, que sont les spermatozoïdes et les ovules. Et à nouveau, on va reformer des paires, puisque la cellule œuf, qui est le produit de la fécondation, va regrouper le chromosome 1 qui venait du spermatozoïde avec le chromosome 1 qui vient de l'ovule. Et donc pour le chromosome 1, mais également pour tous les autres types de chromosomes, on reforme des paires, on a à nouveau des chromosomes homologues, puisqu'on a à nouveau deux chromosomes de type 1, deux chromosomes de type 2, etc. Comme le nombre de types de chromosomes n'a pas changé, on a encore ici N égale 23, puisqu'il y a 23 types de chromosomes différents. Mais comme chaque type a ses chromosomes en deux exemplaires, le nombre de chromosomes de la cellule œuf est égal à 2 fois N, soit 2N, égale 46 chromosomes. La cellule œuf est également une cellule diploïde, comme l'étaient les cellules somatiques du père et de la mère. On a donc deux phénomènes qui se sont compensés, puisque la méiose a permis de passer de la diploïdie à l'haploïdie, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et que la fécondation a permis de passer de gamètes haploïdes à une cellule œuf diploïde, et donc a permis le retour à la diploïdie. Ces deux phénomènes compensateurs, que sont la méiose et la fécondation, permettent le maintien du nombre de chromosomes de génération en génération, et donc le nombre de chromosomes d'une espèce, puisque l'enfant issu de cette cellule œuf aura exactement le même nombre de chromosomes que ses parents, avec des chromosomes par paire, et encore avec tous les types de chromosomes qu'avaient les parents. Cette cellule œuf va être à l'origine de toutes les cellules d'un individu, et là ce sont des divisions cellulaires à l'identique, les mitoses, qui vont permettre de produire les milliards de cellules que compose l'individu. Et cet individu
toutes ces cellules qui le constituent sont issues des divisions de la cellule mère originale, et donc l'individu lui aussi est constitué de cellules diploïdes, où 2N égale 46 chromosomes. Voilà donc pour le maintien du karyotype de génération en génération, où l'on voit que ce qui est important ici, c'est ces deux phénomènes, la méiose et la fécondation, qui sont compensateurs.